Bien, salut tout le monde, Sandy, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors encore une fois, j'ai reçu deux colis mystères, donc un tout petit et un grand, comme la précédente vidéo. Alors, bah, tout simplement, on va découvrir ce que j'ai commandé. Le petit ciseau, j'ai déjà fait une petite ouverture ici. Donc voilà, attention, encore une fois, bien sûr, c'est toujours en rapport avec Bruce Lee, forcément. Et voilà, je me suis tout simplement acheté des Mediator Bruce Lee. Alors, franchement, je les trouve super bien. C'est des Mediator Bruce Lee. Alors, j'en ai acheté 50 parce que c'était un lot 50 pour 3 euros. C'est vraiment pas cher. Donc voilà, vous avez tous des petits Mediator comme ça. Forcément, il y en a où c'est les mêmes. Vous avez différents, forcément, il y en a que c'est les mêmes et tout. Mais bon, pour un lot 3 euros, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et regardez, franchement, ils sont super beaux. Voilà, c'est pas fini, hein. Il y en a encore tout plein, tout plein, tout plein. J'ai trouvé ça super chouette. Forcément, c'est pour la collection. C'est pas pour y jouer. Quoique, peut-être je vais m'acheter une guitare, qui sait. De toute façon, c'est prévu. Donc on peut voir tout simplement qu'ici on a quand même beaucoup de jeux de la mort. Et on peut voir tout simplement que parfois vous avez vu qu'il y a une grande différence. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'arrive à le prendre. Vous pouvez voir tout simplement que la coupure a été mal faite. Vous avez vu l'image. On voit plus la tenue que sur celui-ci par exemple. Mais c'est pas trop grave. En tout cas c'est de bonne qualité. Alors... Je vais vous montrer tout simplement après les différents. Donc voilà, je les installe tous. Comme par exemple ici, vous avez vu qu'il y a seulement la tête. Tandis qu'ici, il a le corps et la tête. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. C'était 50 pour 3 euros. Je trouve ça vraiment pas cher. Vraiment, vraiment très très chouette. Voilà. Je les installe tous. De toute façon, c'est les mêmes. Donc c'est pas trop grave. Voilà, il y a encore deux paquets. On va ouvrir ça ensemble. Et ensuite, tout simplement, je vais vous montrer tous les différents, pardon. Voilà, hop, on va tous les installer. Voilà. Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça super sympa et forcément, c'est pour augmenter la collection. Et aussi, je tenais tout simplement à dire désolé pour la précédente vidéo. Voilà, j'ai tout simplement dit ce que j'avais à dire. Il y a des gens qui ont parlé sur mon dos par rapport à ce que je faisais comme contenu. Je trouve ça super ridicule, surtout que c'est des gens plus âgés que moi et qui parlent à un gamin de 20 ans. Donc, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin voilà, en tout cas, j'ai un bon petit lot. En tout cas... je suis pas prêt de les perdre. Donc voilà. Alors on peut voir tout simplement que nous avons celui-ci. On a celui-ci. Celui-là. Celui-ci. 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 Et je pense que c'est tout. Ouais, je pense que voilà. Entre autres, nous avons 6 de chaque. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. En silhouette, Bruce Lee. Celle-ci, pour moi, c'est ma préférée. Je la trouve super jolie. Donc, voilà. Opération Dragon. Opération Dragon. Et ça, je me rappelle que c'est une photo d'une figurine. Le jeu de la mort. Et le jeu de la mort. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le petit lot de Mediator. En tout cas, je le trouve super sympa. Très chouette. On va mettre ça là. Et l'autre colis, je sais tout simplement c'est quoi. J'ai trouvé ça super sympa aussi. On va découvrir. On va découper ça. Vite fait, bien fait. On va mettre les déchets par là. Voilà. Tout simplement, c'est un petit lot de Lego.
Voilà, un petit lot de Lego. Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ça. Voilà. Ça, par contre, je ne sais pas c'est quoi. Sûrement, sûrement des caps. Tout simplement parce que il a des tenues de Bruce Lee. Comme par exemple ici, vous avez vu, il est marqué Bruce Lee sur le petit t-shirt. Et aussi ici. Et nous, j'ai droit à voir la tenue. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc on va tout simplement commencer par les Bruce Lee. On va mettre ça de côté. Alors on va commencer par le jeu de la mort. Et j'ai trouvé ça super sympa. Comme j'ai déjà des Lego avec Chuck Norris. Comme vous avez pu le voir. Voilà. On va déballer un par un. Alors, faut savoir que c'est de bonne qualité. Je trouve pour un Lego. Donc ça c'est plutôt cool. Alors nous allons tout simplement mettre les pieds. Ah. Voilà. Ah j'allais dire. Hop. Voilà. Si j'arrive à le mettre. Ça c'est le plus dur de mettre les bras. Voilà. Hop, les petits mains. Et voilà le fameux petit Bruce Lee qui est tout neuf, tout propre avec les petites griffes. Vraiment génial, très joli. Et je suis vraiment content et on peut voir que c'est de la qualité. On peut voir que tout simplement c'est gravé dessus. Parce qu'il y a certains Lego, c'est des autocollants. Quand vous grattez par exemple sa part, ici c'est complètement de qualité. Et ça c'est plutôt génial. Donc voilà pour le petit Bruce Lee. On va faire le deuxième. Et celui-là il m'a vraiment intéressé parce qu'au moins je peux changer de tête. Vous avez vu, je peux changer de tête et mettre par exemple la tête de Bruce Lee sur celui-là. Alors celui-là m'a intéressé tout simplement pour la tenue, comme je l'ai dit, de Kung Fu. Voilà. Je sais que c'est pas des contenus, enfin c'est pas des pièces exceptionnelles, mais moi ça me tient à cœur parce que je trouve ça rare de trouver des petits, des petites choses ainsi. Tout simplement, je trouve ça aussi super sympa pour la collection, mais c'est vrai que les bras c'est abusé pour les mettre, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Donc me revoilà, désolé, franchement les bras c'est vraiment chaud à mettre, en plus j'ai les mains moites, du coup c'est vraiment pas terrible. Alors les petits bras. Et moi qui a toujours aimé les Lego, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Voilà. Ici, non, il a un problème de bras, mais c'est pas grave, je le mettrai plus tard. Et voilà le deuxième petit Lego. Je trouve sympa encore. Très chouette. Donc voilà. Ensuite, les autres, c'est plus des personnages chinois. Et ça, je trouve ça super sympa. Comme par exemple ici, c'est une femme. Mais franchement, regardez-moi ces magnifiques Lego. J'ai jamais vu des Lego pareils, avec le décor et tout. Ici, c'est une femme. Donc j'espère que je vais pas galérer avec les bras. Ce serait génial. C'est abusé. Sincèrement, je suis vraiment désolé pour les bras. C'est. Je sais pas. Voilà. Alors, les cheveux. Ça se met comme ça. Voilà. Elle a plus de corps. Hop. Merci de mettre à l'endroit, Andy. Et voilà.
C'est tous des petits personnages chinois comme ça. Super, super sympa. Voilà. Ensuite, nous allons faire celui-ci. Je trouve, par contre, celui-ci, je le trouve super cool. Vraiment. Vraiment super cool celui-là. Et regardez-moi ça, le tout brillant, le niveau Lego et tout. Très chouette. Vraiment. Oh putain. Vraiment très très chouette. Désolé, mais c'est un truc de malade. Hein. Je vous promets que on dirait pas comme ça, mais. Il y a toujours un bras que j'arrive et après l'autre. Voilà. Les mains. Au moins vous voyez un peu tous les personnages qu'il y a. Et encore un grand merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Enfin, au moins les gens fidèles et sincères. Par contre, celui-là, il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux, celui-ci. Donc, voilà. Très, très, très content. Ensuite, nous allons tout simplement faire celui-ci. Voilà. Celui-ci, hop. Et celui-ci non plus, il n'a pas de cheveux. Décidément, ils sont tous chauves. Mais heureusement qu'ils sont. Enfin, que c'est dur, on voit bien que c'est de la qualité. Parce que sincèrement. C'est un truc de malade, hein. C'est vraiment un truc de fou pour les bras. Ils auraient dû les mettre avant, je comprends pas pourquoi. Aussi détaillé. Et enfin, ils auraient pu complètement aussi faire le Lego en entier, quoi. C'est pas que c'est dur à faire à construire un Lego. Donc voilà. Enfin, je comprends pas. C'est vrai que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en entier et dans un petit plastique ainsi. En fait, je les ai pris. En fait, le lot de Lego, j'ai vraiment pris tout simplement parce qu'il y en a qui. Que c'était Bruce Lee, ou sinon j'aurais jamais pris les autres non plus. Vous comprenez? J'aurais tout simplement pris les deux là. C'est tout. Mais bon, c'était un lot et. J'ai pris tout. Simplement. On pouvait pas acheter à part. Bon, les amis. Je comprends pas. Hop. Hop. Voilà. On dirait plus un arabe. Alors, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un plus un capitaine. Je sais pas qui s'y fout là, mais. C'est plus un. Ah, je dirais plus un garde chinois. Plus un, enfin, je dirais plus un policier chinois en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, ben, j'ai trouvé un moyen de mettre les bras. Voilà. Les mains. Et lui, il a droit à avoir une petite casquette.
Ouais, c'est un officier en fait, c'est un officier de police. Ouah, sans plus, ça m'intéresse pas trop ce genre de petit Lego. Mais c'est quoi ça? Mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'un Lego pareil, fou là. C'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse vraiment pas. Bah ça, je comprends pas, ça a voir quoi avec, avec la Chine. Regardez-moi ça. C'est moche. Enfin bref. Ou par contre lui, y a beaucoup plus de choses. Oh, c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Bah franchement, je sais pas, les amis. Il a droit à avoir beaucoup plus de trucs, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Je sais vraiment pas c'est quoi. J'ai tout ça avec. Et j'ai même une main en plus. C'est un monstre ça, c'est quoi ça? Bon, je laisse ça de côté, je sais vraiment pas c'est quoi. Vraiment un truc de malade. Alors, petit papy, on va te mettre. Et lui, il a une tenue chinoise. Ça m'intéresse, les personnages comme ça. Non! Ne meurs pas maintenant, petit papy! Non mais c'est abusé comment. Eh, je vais appeler le créateur, c'est un truc de malade. Ok. Il a droit d'avoir une petite coupe de cheveux. Super sympa. Très chouette. Hop. Hop. Et voilà petit. Le petit papy. Super cool. Avec la petite tenue chinoise brillante. Très jolie. Il nous reste que plus que deux. Normalement, ici, il a des capes. Mais j'ai oublié de les mettre. Quoique, en fait, non. Ok. On va abandonner ça. On va pas les mettre. On les mettra peut-être plus tard. On verra. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Il nous reste tout simplement deux personnages. Une femme et un homme. Waouh! Regardez comment elle est belle. Oh putain, elle est trop belle celle-là. La coupe de cheveux et tout. Super bien fait, un truc de malade. Bon, tout simplement. Mettre un bras. Si j'arrive à le mettre. Voilà. Voilà. J'adore. En tout cas, franchement, pour moi, c'est le plus beau Lego. Avec bien sûr ce Bruce Lee. Elle est très jolie. Dommage qu'il a pas. Ah, si, là. C'est une petite. Merde, putain. Non, mon bras! Putain! Oh, non, tu vas rester là. Voilà. Regardez la coupe de cheveux, vraiment sympa. Très jolie coupe de cheveux. Et le dernier, c'est un petit chinois aussi. C'est le dernier perso. Alors on va déjà mettre les bras comme ça va pas.
perte de temps. Voilà. Voilà. Les mains. Voilà. Petit coup de cheveux. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Ciao!